Salut, c'est Déborah Biaka. Bonjour, ça va, madame? On dit quoi, ça va ici? Bonjour madame. Bonjour madame. Ça va, Evie? Déborah Biaka est une personne très timide, très réservée, surtout très respectueuse. Et je suis dans l'entrepreneuriat et je gère un barbershop. D'abord, j'étais à la maison quand il y a une amie qui était, voilà. Et il m'a envoyé un message que « Ah, Débo, tu es où et tout ?» Il dit « Ah, je suis à la maison. » Que « Ah, viens au tournoi. » Par la curiosité aussi, je me suis rendue là-bas. Et arrivé là-bas, j'étais assise quand j'avais envie d'aller à la salle d'eau. Et en me levant, je vois que toute la salle a commencé à crier, taper les tam-tams, tout ça, me snapper, tout ça. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit sur les réseaux. Et ensuite, en revenant, c'était la même chose. Et je suis partie m'asseoir. Donc tellement qu'il y avait tellement de bruit, tout ça, et ça, j'étais stressée. Dans ce cas, j'ai décidé de rentrer à la maison. Et c'est le lendemain à 8h, mon frère m'appelle en me disant « Ah, je n'ai pas tout sur Facebook, tout ça. » J'ai dit « Ah bon ?» Donc je me lève, je pars regarder sur mon téléphone. Je vois que mes photos sont partout. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Voilà, c'est un peu ça. Chacun a son style en fait. Et moi, c'est ça que j'ai décidé. Donc ça ne participe pas à la chèvre de la vie, selon moi. Ça m'a fait plaisir. Et de voir que Jules Beco me met sur sa page et tout. Voilà. Et je me dis qu'il a mis aussi, il a mis ça en fait pour rigoler. Rien de plus. D'abord, il n'y a aucune comparaison parce que Kamen Sama reste Kamen Sama. Kamen, c'est la mère de la Chine en fait. C'est une personne aussi que j'estime beaucoup. Et moi, c'est Déborah. Déborah reste Déborah. Il n'y a pas de concurrence à cela. En moins de 24 heures, j'ai eu 11 000 abonnés. Et je suis heureuse. Voilà, je suis heureuse. Et chaque heure, voilà, les abonnés viennent. Voilà, je suis heureuse. Mon avis sur les buzz, je me dis qu'il y a plusieurs types de buzz. Il y a les bad buzz comme les bons buzz. Et pour moi, c'est venu naturellement. Voilà, je n'ai rien demandé par la grâce de Dieu. Mon message à l'endroit de Jonathan Morrison, d'abord, c'est quelqu'un à féliciter pour son courage, sa persévérance surtout. Parce que là où plusieurs personnes n'y ont pas cru, voilà, il est arrivé. Et c'est vraiment à féliciter. Voilà, c'est tout ce que je fais. Nous sommes à la maison, voilà. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Bonjour, arrivée. Merci, papa. Ah, c'est mes neveux, ma nièce, tout le monde. Ça va? Maintenant, ça, c'est mon ami. Voilà. Ben oui. Ben, déjà, toute petite. À tous les enfants, chaque fois, ils leur demandaient de se coiffer. Aujourd'hui, ça paye. Donc, grâce au tournoi de Morrison, je crois que toute la Côte d'Ivoire l'a découverte. Donc, vraiment, je dis d'abord merci à Morrison. Je suis vraiment très heureuse de mon côté, très heureuse et vraiment, ça me fait vraiment plaisir, voilà, d'être aujourd'hui honorée grâce à ma petite sœur Déborah Biaka. Elle est restée elle-même
naturel encore de plus. Et puis voilà quoi. Pareil. Il n'y a pas de changement particulier quoi. D'abord, je veux dire merci à ma famille. Merci aussi à Afrique Sud 7 parce qu'ils sont déplacés spécialement. Voilà, merci à tout le monde. Maman, c'est Élisée. Islamé à Deborah, ouais, ici fin. Elle a percé de, ouais, elle a tout tué, mais c'est rien, c'est un réjo. Nous, on est fond au quartier.